au travers du programme lancé par la région Languedoc-Roussillon, Terra Rural, qui est un programme qui est vraiment adapté à ces territoires de montagne. Nous avons pu faire bénéficier à ce monde agricole d'un certain nombre d'actions innovantes, volontaristes et très intéressantes pour le maintien de cette agriculture en zone rurale. De nombreuses actions ont été menées, notamment le guide des producteurs qui a été réalisé en direction des touristes et de tous ceux qui visitent le territoire pour les acheminer vers les producteurs. Ce grand projet de restauration du circuit de visite touristique des caves Beer a été voulu par les élus de la communauté de communes des Aspres dans le but de développer l'économie du territoire des Aspres et notamment l'économie viticole, l'économie agricole. C'est un levier donc pour l'ensemble des viticulteurs et vignerons et producteurs de l'ensemble du territoire. Donc vous avez ici autour de nous une boutique d'une trentaine de producteurs qui sont représentés ici. Donc c'est une vitrine également pour eux. Le textile était dans notre première économie sur notre territoire en Pays Viganais. Donc les élus ont cherché à trouver une autre économie sur notre territoire. C'est le but de cette action avec Terra Rural. Développer les productions, ça passe par trouver des terres pour conforter des agriculteurs ou en installer de nouveaux. Et Terra Rural, ça permet justement de repérer ces terres, d'étudier le potentiel agricole de celles-ci, la qualité des terres, la ressource en eau, la ressource pastorale. Et après de proposer à tous les propriétaires toutes les façons de mettre leur terrain à disposition et de les mettre en relation avec ces professionnels agriculteurs. L'objectif essentiel était de lutter contre la déprise agricole et d'avoir un vrai projet de vie sur notre village dans la partie vallée de notre commune qui avait connu une très forte déprise agricole au moment de l'exode rural. La deuxième étape de la ferme de Reconquête a été de recruter un candidat pour exploiter les terrains. À la fin de l'année 2010, un candidat a pu être retenu et a pu s'engager dans son parcours d'installation accompagné par la suite par la Chambre d'agriculture pour toutes ces démarches.